Bonsoir et merci de rejoindre Télé 7 pour vous informer tout de suite les titres. Il était devant les juges ce mardi. Bosco Ntaganda a comparu comme Congolais né au Rwanda. Pour cette première audience, l'homme a été informé des charges retenues en son encontre. Le Terminator a clamé son innocence. La RDC a désormais un document qui lui permettra non seulement de guider toutes les actions du gouvernement liées au développement du secteur agricole, mais aussi de mobiliser les ressources pour le développement de ces secteurs. Le plan national d'investissement agricole en RDC a été présenté ce mardi. Bientôt, Kinshasa sera doté des logements décents qui répondent aux normes internationales. Les travaux de construction de la cité Joseph Kabila à Bandalungwa ont été lancés ce mardi par le ministre en charge de l'urbanisme et habitat, Fridolin Kachwechi. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir, comme annoncé dans les titres, Bosco Ntaganda était devant les juges de la CPI ce mardi. Le chef rebelle, soupçonné des crimes commis dans l'est de la RDC en 2002-2003, a clamé son innocence au cours de sa première comparution à la haie, une semaine après sa reddition surprise à Kigali. Bosco Ntaganda a décliné son identité, affirmant être né au Rwanda mais disposer de nationalité congolaise. Il a opté pour être jugé à Kinyarwanda. L'affaire ministère de l'Intérieur et le RCDN est renvoyée au 15 avril prochain. Pour l'audience d'introduction de ce lundi, les avocats de la défense ont introduit la requête en surséance pour inconstitutionnalité de la requête du ministère de l'Intérieur qui voudrait la dissolution de ce parti politique. Placide Kanza et Fiston Mouini. À cette première audience, la Cour a voulu entendre les deux parties. L'audience d'introduction du lundi 20 mars, le RCDN voudrait obtenir de la Cour suprême de justice la surséance pour inconstitutionnalité de la décision du ministère de l'Intérieur qui a suspendu ses activités. Nous avons trouvé à plus d'un point la violation de dispositions constitutionnelles garantissant notamment le fait de ne pas être poursuivi pour fait d'autrui, le droit au double degré de juridiction. Et beaucoup d'autres, c'est ainsi que nous avons dit au juge que dans cette affaire qui concerne le RCDN soulève l'exception de personnalité. Et comme le veut l'article 162 de la Constitution, la Cour n'a qu'une seule possibilité, ce soir à statuer et saisir toutes les affaires cessantes à la Cour constitutionnelle. Il y a quelques mois, le ministère de l'Intérieur avait introduit la requête en dissolution du parti RCDN du fait que son président Roger Lumbala s'est rallié au M23. Voilà qui justifie la présence du RCDN devant cette haute instance judiciaire du pays. Pour son secrétaire général, la première audience marque un pas vers la victoire. Je ne vois pas comment, dans un pays où la justice est instrumentalisée, qu'on puisse avoir. Donc c'est pour dire que c'est un pas vers la bonne direction et nous devons saluer cela. Lorsque les choses sont bien faites, on a le devoir de saluer. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un pas vers la bonne direction où la manifestation de la vérité triomphera. Et à part ça, je tiens à remercier les militants, les cadres, les amis de partis politiques qui sont venus nous soutenir, la presse, parce que cela permet à ce que nous puissions dire la vérité au peuple. Rendez-vous d'ici 3 semaines pour l'avis du ministère public. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, a été à 2 reprises le théâtre d'une insécurité provoquée par des colonnes de jeunes délinquants armés communément appelés Bakata Katanga. Ils ont réussi à franchir le Rubicon et atteindre le centre-ville de Lubumbashi au vu et au sud de tous. Mais d'où vient ce groupe? Comment se déploie-t-il et quel est son mode opératoire depuis pour ne surgir que maintenant? À ce sujet, Télé 7 qui s'est penché sur cette affaire vous propose ses commentaires de la rédaction sous la voix d'Oscar Bakandoa. Dans son communiqué, Richard Mouyej Manguezemans indique que ces jeunes étaient porteurs d'armes de guerre et d'armes blanches. Ils détenaient le drapeau de l'ancien État du Katanga et ont tenté de le hisser à la grande place de la poste au centre-ville de Lubumbashi. Dans leur aventure, ces délinquants ont, à en croire le ministre de l'Intérieur, marché sur la ville et échangé des tirs nourris avec l'armée régulière qui a tout mis en œuvre pour éviter que la situation ne se dégrade et empêcher un éventuel pillage dans la ville. Cependant, des questions se posent. Comment ces miliciens ont pu atteindre facilement le centre-ville? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ces questions continuent de susciter des discussions. Surtout, quant au second dehors des services de l'ordre, il existe également des services de renseignement. Comment tous ces services n'ont pas eu le temps de dénicher ces scénarios?
Pas plus tard qu'il y a quelques jours, ces miliciens ont été cités dans le désordre constaté plus d'une fois à Lubumbashi et dans d'autres villes du Katanga. Une situation qui devrait permettre à tous ces services de prendre des précautions. Malheureusement, ne dit-on pas, gouverner c'est prévoir. Ces miliciens ont, à en croire certains analystes, un projet sécessionniste pour faire échouer, entre autres, le découpage programmé de la province du Katanga. Pour éviter que de tels cas ne se répètent, le renforcement des dispositifs sécuritaires s'impose. Faut-il laisser des aventuriers s'amuser avec des vies humaines alors qu'elles peuvent influer positivement sur la marche de la République? Y a-t-il des gens qui ont le monopole de la violence alors que nul n'est au-dessus de la loi? Faut-il prendre quelques kalachnikovs pour faire entendre ces revendications? Cette façon de voir les choses doit être ôtée, une fois pour toutes, dans l'imaginaire collectif des Congolais. La meilleure manière de le faire, c'est d'infliger aux auteurs de tels actes un châtiment exemplaire. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont approuvé ce mardi le projet de loi relatif au Conseil économique et social. Les députés n'ont plus que 48 heures pour apporter leur amendement sur le 31 article contenu dans ce texte. L'initiative du député Thomas Lokondo voudrait pallier sur les dysfonctionnements qui caractérisent la gestion socio-économique de la RDC. Cependant, la commission aménagement du territoire a présenté les projets de loi relatifs au secteur de l'électricité en RDC. On note que 19 préoccupations de députés ont été intégrées dans ce texte. À quelques jours de la fin de la date butoir pour les dépôts des déclarations pour l'exercice comptable 2012, le directeur général de la DGI invite les contribuables assujettis à l'impôt sur les chiffres d'affaires à s'acquitter de leurs obligations fiscales avant le 29 mars 2013. Il a dit ce mardi en la salle de conférence de la DGI à Gombe, Mara Mafala et Job Mpeke. Afférent à l'exercice 2012, donc l'exercice comptable 2012. Et conformément aux dispositions légales, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 31 mars 2013. Le 31 mars 2013, c'est la date limite. Et étant donné que pour cette année spécialement, le 31 mars tombe un dimanche, nous invitons tous les contribuables concernés à souscrire leur déclaration et à payer le droit correspondant au plus tard le vendredi 29 mars 2013. Et à cet effet, les dispositions étaient prises pour que les guichets de service de la Direction générale des impôts, tout comme les banques commerciales puissent rester, les guichets puissent rester ouverts jusque tard dans la soirée pour permettre à tous les contribuables de pouvoir s'acquitter de leurs obligations. Alors, je voudrais signaler que s'agissant des contribuables qui relèvent du droit commun, il y a pas seulement la déclaration à pouvoir déposer, mais il y a également des annexes qui doivent accompagner cette déclaration. Il s'agit comme annexe du bilan, donc de l'exercice 2012, du tableau de formation des résultats, du tableau économique, fiscal et financier complet, conforme au modèle diffusé par les conseils permanents de la comptabilité au Congo, sont soumis à l'impôt sur les bénéfices, sont soumis à l'impôt sur les bénéfices, suivant les régimes de droit commun. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces entreprises vont être soumises à l'impôt sur les bénéfices à un taux de 35%, parce que c'est ça la décision qui a été prise par les autorités. Donc, il y a le taux qui passe de 40% à 35% pour ces entreprises-là, sauf celles qui relèvent en fait des secteurs particuliers.
Le ministère de l'Agriculture et Développement Rural organise depuis ce mardi au Cercle français un atelier national de validation du plan national d'investissement agricole de la RDC. Ce document, selon Jean Chrysostome Vahamwiti, est un cadre stratégique qui guidera les actions du gouvernement dans toutes les questions relatives au développement du secteur agricole. Suivez. À travers le programme national d'investissement agricole, le gouvernement veut désormais faire un plaidoyer pour mobiliser au maximum des ressources au niveau international en faveur du secteur agricole considéré comme la seule possibilité pour lutter contre la sous-alimentation et la pauvreté en milieu rural. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, à la base de cette initiative, espère trouver gain de cause. Nous aurons désormais un cadre stratégique qui guidera les actions du gouvernement dans toutes les questions relatives au développement du secteur agricole. Le programme national d'investissement agricole, qui sera décliné également à plan profession, permettra aux provinces de disposer des cadres de planification stratégique leur permettant de bien planifier leurs actions futures. Il permettra aussi de canaliser les actions de nos partenaires au développement et d'éviter de ce fait la dispersion des actions. Ce plan, qui constitue un cadre fédérateur de toutes les actions qui cadrent avec les développements agricoles en milieu rural, c'est le fruit de plusieurs ateliers organisés conjointement par le gouvernement et les partenaires au développement. L'industrialisation au service de l'émergence en Afrique, c'est le thème débattu au cours de la réunion des ministres des Finances tenue à Addis Abeba. Ces assises ont permis au sommet du monde de l'économie et de la finance de réfléchir pour approfondir les politiques industrielles pour l'indépendance économique de l'Afrique tout entière. Doudou Ndombe. L'Afrique est au centre des travaux de la Commission économique pour l'Afrique. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l'ONU et le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez, insiste que le temps d'agir en faveur du continent africain est arrivé. Les Africains doivent désormais se prendre en charge et prendre à bras le corps le développement du continent. Qu'à l'avenir, le maître mot à la CA sera « l'Afrique d'abord ». Par cela, nous voulons dire que nous allons privilégier les intérêts de ce continent dans tout ce que nous faisons. Cela signifie aussi que nous nous attaquerons aux questions nouvelles et aux autres en fonction de leur impact sur l'Afrique. Nous devons conduire le processus de transformation structurelle sur la base de la vision et les priorités africaines. Le président ivoirien, quant à lui, a invité l'Afrique à faire mieux et à faire plus. La délégation de la RDC a été conduite par le vice-ministre aux Finances, accompagné du directeur général de la BCC, Jean-Louis Kayembe Wakayembe. Les institutions internationales ont été représentées à ces assises, à côté des sommités du monde de l'économie et de la finance internationale. Le gouvernement plus que jamais déterminé dans la relance du secteur urbain, c'est à ce titre que les contrats des villes et des conventions de maîtrise d'ouvrage délégués dans le cadre du projet de développement urbain viennent d'être signés entre le gouvernement central, représenté par le ministre en charge de l'urbanisme et habitat Fridolin Kachéchi, et les maires de villes ciblées en présence de leur gouverneur. Ce projet est un partenariat entre la Banque mondiale et la RDC, et les Ebilonda Kasonga et Blanchard Kandolo. Cinq villes et un district sont concernés par cette signature des contrats des villes et des conventions des maîtrises d'ouvrage déléguées dans les cadres du projet de développement urbain, PDU en sigle, Bukavu, Kikwit, Kindu, Matadi, Mbandaka et Kalemi. C'est ce qui explique la présence des gouverneurs de province et des maires à cette cérémonie. Le secrétaire permanent du PDU, Augustin Kabaou, souligne que l'objectif principal de ce projet est l'amélioration de l'accès aux services de base. 100 millions de dollars américains est l'enveloppe allouée pour sa mise en œuvre, car une croissance urbaine non maîtrisée conduirait à la prolifération des bidonvilles. La République démocratique du Congo est en train de devenir un pays de plus en plus urbanisé. Estache Wayoro, directeur des opérations de la Banque mondiale. Le projet de développement urbain va constituer le premier projet sectoriel que la Banque mondiale va financer en RDC dans le secteur urbain. Le choix du secteur urbain s'explique par le rôle que les villes jouent
et vont de plus en plus jouer dans le développement du pays, mais aussi par les nombreux défis auxquels les villes sont confrontées. Pour le ministre ayant l'urbanisme et l'habitat dans ses charges, il est plus qu'urgent de résoudre les défauts structurels des milieux dans lesquels nous vivons. La vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, est de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Cette vision est reprise dans le programme du gouvernement de la République et je peux affirmer avec certitude qu'aucun centre urbain de ce pays ne sera oublié et que chacun à son tour, tous seront conquis par le vent des modernités, car tel est le prix à payer pour l'émergence de notre pays. Ce projet de développement urbain s'étendra à travers d'autres villes de la République démocratique du Congo. Toujours dans le secteur d'urbanisme et habitat, Fridolin Kachouchi a lancé officiellement le démarrage des travaux de construction de la cité Joseph Kabila à Bandalungwa. C'est la société chinoise SZTC qui en est le maître d'ouvrage. L'objectif, c'est de doter Kinshasa des logements décents qui répondent aux normes urbanistiques modernes. Encore une fois, Elisabilonda Kasonga et Blanchard Kandolo. La cité Joseph Kabila sera constituée de logements répondant aux normes internationales en matière d'habitat. Des appartements modernes, un supermarché, un hôpital et même une école primaire y seront construits. La première phase des travaux ainsi lancée sera consacrée essentiellement à la construction de la zone d'appartements et celle des villas respectivement indépendantes. Pour le président directeur général de la société chinoise SZTC commise aux travaux, cette œuvre, fruit de la bonne coopération Chine-RDC, va permettre de combler le déficit des logements décents, comme le souhaite vivement le chef d'État Joseph Kabila Kabange. Pour ces quinquennats placés sous la vision de la révolution de la modernité, l'habitat y occupe une place de choix. C'est un secteur prioritaire, comme l'explique Fridolin Kasushi Musoka, ministre en charge de l'urbanisme et habitat. La cité dite Joseph Kabila, dont le projet est dessiné en maquette à la vue de tous, est un joyau de modernité, en tout point de vue, et une toute première à Kinshasa depuis bien longtemps. Il est prévu la construction de plus ou moins 1000 unités de standing élevées, accompagnées des infrastructures, des bases et équipements publics de qualité très acceptables. Ces sites constituent un point de départ pour notre gouvernement et mon ministère en particulier. C'est le 19 septembre 2011 que le protocole d'accord pour la mise en œuvre de ce projet immobilier a été signé entre le gouvernement et la société Zengwai Technic Corporation. Fridolin Kasushi Musoka insiste sur le respect de normes urbanistiques et environnementales pendant l'exécution des travaux pour un délai de 5 ans. Après la signature du contrat des performances avec le gouvernement, l'heure est à présent à la sensibilisation et à la vulgarisation du dit contrat. Le président du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle s'emploie à expliquer l'importance de ce contrat aux entités décentralisées de cet établissement public à caractère scientifique et technique. Eric Ngamba et Jémy Mamongo. Le président du conseil d'administration de l'Office congolais de contrôle, Jean-Pierre Mbala Kassanda, se lance lui aussi dans la sensibilisation et la vulgarisation du contrat de performance signé dernièrement par son établissement et le gouvernement au profit des entités décentralisées de cette structure. Partout où il est passé, il a exhorté les agents au respect strict des termes de cette convention en vue de réaliser l'objectif assigné par le gouvernement. Il s'agit de l'accréditation intégrale des laboratoires pour confirmer et asseoir son objectif et sa nature d'établissement public à caractère scientifique et technique. Il a par la même occasion évalué le niveau de réalisation des investissements en cours initiés dans le seul but de modernisation de l'OCC selon la vision du chef de l'État. Le mois de mars oblige, Jean-Pierre Mbala devait aussi échanger avec les femmes des entités inspectées. Il n'a manqué d'exhorter sur la solidarité et l'amour dont doivent bénéficier les femmes. Malheureusement, a-t-il fait constater, celles de l'Est sont victimes de différentes guerres qui déchirent le pays et freinent son développement. Préoccupé du bien-être de sa population, le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, était ce mardi à la RTNC pour voir de ses propres yeux les matériels destinés à la RTNC province orientale. Pour le chef du gouvernement provincial, le souci principal est que cette chaîne nationale rayonne sur l'ensemble de la province et la population soit informée, surtout Placide Kanza.
Jean Bamanissa Saïd ne pouvait pas regagner Kisangani sans voir de ses propres yeux les matériels destinés à la RTNC province orientale. Impressionné par le vent nouveau qui souffle à la télévision d'État, l'homme promet de s'investir personnellement pour que l'équipe de matériel audiovisuel arrive le plus vite possible au chef-lieu de sa province. Nous sommes venus nous enquérir aussi des programmes de développement de la RTNC en province orientale, étant donné que nous voudrions aussi que toute la province soit couverte par la chaîne nationale. Et nous avons été ravis de constater qu'il y a un lot de matériel qui va être bientôt réceptionné, envoyé en province. Et nous souhaiterions vraiment une couverture totale. Venu avec ambition de faire de la province orientale une zone où il fait beau vivre, Jean Bamanissa se veut plutôt être jugé sur les actes. Nous sommes là justement pour améliorer les choses à partir de ce que nous avons trouvé. Il y a beaucoup de travail, vous savez, en province orientale. C'est une grande province avec 15 millions d'habitants et très très vaste. Et nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement, sous la vision du chef de l'État, nous allons arriver vraiment à faire aussi de nos provinces l'intérieur des pays, des zones agréables à vivre et qui vont participer au développement de notre pays. Une partie de ces matériels est attendue dès la semaine prochaine à Kisangani. Le gouverneur rassure que tous les matériels arriveront à destination pour le bien-être de Boyomais et Boyomais. La nouvelle société civile congolaise a procédé ce mardi à l'installation et à l'ouverture de son bureau de coordination provinciale pour le territoire des Massimbanimba dans le Bandundu. Cette représentation s'inscrit dans le cadre des sensibilisations qu'elle compte mener dans l'arrière-pays. Marie-Jeanne Bibomba. Une coupure du ruban symbolique saluée par l'assistance, c'est dans cette atmosphère que la délégation de la nouvelle société civile congolaise venue de Kinshasa inaugure les installations provinciales de cette organisation à Massimbanimba. Geste salué par les membres de la société civile congolaise Massimbanimba qui disent toute leur gratitude à la coordination nationale. S'en est suivie une matinée de sensibilisation sur la lutte contre l'impunité. Jonas Tchombela ne cache plus la détermination de sa structure à étendre ses activités jusque dans le Congo profond pour combattre les antivaleurs. Il s'agit d'une matinée de sensibilisation de la population sur les questions liées à la vie de la nation. Notamment la question de la restructuration de la CENI, la nouvelle société civile congolaise est sur le dossier. Je souhaite à ce que la population de l'arrière-pays soit aussi impliquée. C'est un message que nous avons voulu donner à la population de Bandundu pour dire que ce n'est pas seulement Kinshasa, mais c'est aussi l'arrière-pays qui doivent s'activer sur la restructuration de la CENI. La délégation quitte Massimbanimba sous une note d'espoir et promet d'y revenir dans un avenir proche pour cette fois sensibiliser la population de cette partie du pays sur les échéances électorales à venir. Mois de la femme et ce soir, Oscar Bakandoa nous présente Madame Antoinette Kapinga Chibui, maire de Kananga depuis 5 ans. Âgée de 54 ans, ce médecin qui s'est consacré à la politique veut faire de Kananga un oasis de paix. Oscar Bakandoa. Comme toute mère de famille, le médecin Antoinette Kapinga Chibui s'acquitte de ses obligations ménagères. Maire de Kananga, en route pour son bureau, elle s'arrête pour avoir une idée sur les travaux de la voirie urbaine. Un tour dans son centre d'encadrement des orphelins. Elle a un cœur pour l'avenir de la jeunesse. À son bureau, tout est prêt pour le bien-être de ses administrés. Je sers mon peuple. J'ai le plaisir de servir les gens simples et pauvres. Voilà pourquoi, malgré tout ce que j'ai vu partout où je suis passé, j'aime la proximité avec les gens. Et dans la ville de Kananga, je me retrouve. Je me retrouve et je veux bien continuer à servir cette population. 1 300 000 habitants, ce n'est pas facile. Ce n'est pas si simple. Il y a des humeurs à gérer, il y a des rumeurs à gérer, il y a surtout les hommes. Pour la première fois, une femme à la tête de cette ville qui a 54 ans maintenant, je suis la première femme. Comment la femme peut-elle contribuer à la résolution des conflits? Docteur Antoinette Kapinga est très explicite. Souvent, c'est la population elle-même qui est à la base de ce qui arrive. Donc la population doit s'impliquer. Même ici, la population s'implique au maintien de la paix.
et au maintien de la sécurité le soir. Donc, c'est être proche de la population, l'écouter, l'aider, l'appuyer pour qu'elle puisse conquérir sa paix qui est à l'est perturbée. Quant au mois de la femme, elle a un conseil pour ses pères. Il faut passer par l'école pour être en mesure de pouvoir gérer les hommes, gérer les femmes. Un exemple de courage et d'abnégation, voilà qui fait d'elle le modèle d'une femme qui inspire la confiance à la tête de la ville de Kananga, oasis de paix. On ne parlera peut-être plus de lui. Lui, c'est Papi Ipanga, opérateur de prise de vue à Antenne A. Consternation, douleur et pleurs ont caractérisé ce moment de dernier hommage rendu à Papi Ipanga ce mardi à la place Somida avant sa mise en terre au cimetière de Kinkole. Jimmy Mamogo. Difficile de contenir leurs larmes, les amis et connaissances, collègues de service, sont revenus nombreux dire leurs adieux à celui avec qui ils ont partagé des moments inoubliables. Devant la dépouille sans vie de Papi Ipanga, tour à tour, ceux qui l'ont connu défilent pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. La corporation s'est fait représenter par une forte délégation. Allongé dans son cercueil, le confrère Papi Ipanga plonge sa famille biologique et sa corporation dans une profonde consternation. Larmes aux yeux, des bouts de phrases sur les lèvres, « Adieu Papi Ipanga » traduisent sans doute la consternation et la douleur de séparation. Rosa Wazi est là ce soir pour lire le journal paru ce mardi à Kinshasa, c'est la revue de presse. La rencontre de Oyo, l'affaire Bosco Tonga dans la CPI, la situation au Katanga, autant des sujets qui font la une de journaux parus ces mardis, dont la capitale. D'abord la rencontre de Oyo. Le palmarès reste convaincu que c'est désormais des Brazzaville qui sortira un plan d'épée et de sécurité imposable et opposable à tous les acteurs de la crise qui sévit à l'Est. Ainsi, le Rwanda et l'Ouganda sont réduits au statut d'interlocuteur direct de Kinshasa en reconnaissance des l'agression de la RDC. Affaire Bosco Tangada, c'est deuxième sujet traité par la presse. L'avenir enseigne qu'au moment où le procès de Bosco Tangada s'ouvre aujourd'hui à la haie, la procureure de la CPI devra s'engager rapidement à fond pour la pacification totale de la République démocratique du Congo. Fatouma Ben Souda sera dans l'obligation d'ouvrir un nouveau chapitre pour la justice en poursuivant les seigneurs de guerre locaux ainsi que les hauts responsables qui les soutiennent. Loin de cette affaire, les potentiels lui s'intéressent à la situation qui prévaut au Katanga. Les confrères s'interrogent pour savoir si c'est une coïncidence ou un choix délibéré. Le Mai Mai Kata Katanga sont descendus dans la rue à Lubumbashi le samedi 23 mars 2013, perturbant l'ordre public. Le gouvernement a décidé de les transférer à Kinshasa pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le phare, quant à lui, pense que le défilé des Mai Mai au cœur de la capitale du cuivre et à interpréter comme un message spécial de Katangé hostile au découpage territorial de cette province adressé à leurs frères et sœurs acquis à cette option consignée dans la Constitution. Bouclons cette revue de presse par cette soirée culturelle. Jean-Marie Boukassa, chantre de la paix, lance un appel interpellateur sur la situation sécuritaire qui prévaut en Afrique, plus particulièrement en RDC. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, les actions sont menées dans le sens d'un inviter toute personne à éprise de paix à une prise de conscience. Information à lire dans Le Potentiel. Et c'est la fin de cette revue de presse. Nadine Laing. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir.